Sud Radio, conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Stéphane Moller, je le rappelle, vous êtes fondateur et président de Via Wealth Management. À chaque soir avec vous, de bons conseils pour gérer au mieux notre patrimoine. Tenez, ce soir on va répondre à Gérard qui nous écoute à Dax. Gérard s'est vu proposer l'acquisition d'un appartement en nue propriété et il vous demande si c'est réellement intéressant. En quoi est-ce que ça consiste ? Eh bien l'investissement en nue propriété s'est fortement démocratisé depuis une vingtaine d'années. Vous savez, nous l'avons déjà défini, que la pleine propriété d'un bien est composée de deux éléments, la nue propriété et l'usufruit. Pour faire simple, la nue propriété est en quelque sorte la propriété des murs et l'usufruit, le droit d'en faire usage ou d'en tirer les revenus. Merci pour ce rappel. Mais alors, par quel mécanisme peut-on, Stéphane, acheter de la nue propriété et surtout, à quoi est-ce que ça sert ? Alors, il me faut faire un peu d'histoire. Jusqu'à la fin des années 70, les logements sociaux étaient cantonnés à la périphérie des grandes villes. Peu à peu, toutes les villes ont reçu de plus en plus de pression pour développer leur parc de logements sociaux. Mais comment acheter un immobilier si cher et percevoir des loyers modérés ? Les sociétés HLM pouvaient-elles comme ça équilibrer leurs comptes ? La solution est arrivée il y a une vingtaine d'années par un opérateur qui a trouvé une solution : démembrer ses appartements. Comment ça fonctionne ? Eh bien, l'opérateur achète des immeubles et revend l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'en faire usage, à des bailleurs sociaux, en général pour 17 ans, et la nue propriété à des investisseurs privés tels que Gérard. Non, on comprend bien, mais quel intérêt pour chacune des parties ? Eh bien, l'office HLM va acheter 17 années d'usufruit pour environ 40% de la valeur du bien. De cette façon, les loyers perçus vont lui permettre de financer l'acquisition de cet usufruit. Et qui achète la nue propriété ? Eh bien, dans notre exemple, c'est Gérard qui va acquérir la nue propriété. Le fonctionnement est le suivant. Imaginons un appartement dont la valeur est de 200 000 euros. L'usufruit est acheté par le bailleur social, 80 000 euros. Reste donc la nue propriété de cet appartement, qui est donc vendue 120 000 euros à Gérard, c'est-à-dire pour 60% de sa valeur. Évidemment, il ne percevra pas de loyer, mais pas non plus de charges pendant 17 ans. En fait, la valeur d'acquisition de l'appartement est la valeur de la pleine propriété, déduction faite de la valeur actualisée des 17 années de loyer qu'il n'aura pas perçu. Et la valeur de l'appartement va s'apprécier au fur et à mesure que le temps va passer et que la valeur de l'usufruit va diminuer. Et à quel type d'investisseur ce type d'acquisition est-il destiné ? Eh bien, cela peut présenter un intérêt pour trois grands types d'investisseurs. Un, ceux qui ont envie d'acquérir de l'immobilier mais qui n'ont pas envie d'en gérer la location. Deux, ceux qui payent l'impôt sur la fortune immobilière car le détenteur de l'appartement en nue propriété ne rentre pas l'appartement dans le mode de calcul de son IFI. Bien sûr. Trois, pour ceux qui ont une tranche marginale d'imposition trop importante et pour lesquels les revenus fonciers seraient fortement fiscalisés. Merci Stéphane, un grand merci à vous Gérard pour cette très bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le site de Conseil de Famille, conseil avec un S1-2-famille.com, chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. On se retrouve demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de Famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.